Eh bien bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Going Medieval. Donc hier on en était resté avec un toit pénible qui m'énervait, enfin hier, pas hier pour tout le monde mais pour moi oui. Eh bien j'ai recommencé, j'ai tout démoli et c'est bon, il accepte de faire le toit. Bon, ça c'est réglé. On peut passer à la suite. Alors, on va redescendre. Voilà. Donc j'aurais bien fait une chambre ici. Comme ça, je pourrais débarrasser en bas des lits et mettre autre chose. Déjà, il faut aussi que je m'occupe de ça, parce qu'on a une quatrième personne. Et là, ça tombe bien. Ça va être ta priorité. Hop. La confection, ça serait pas mal aussi. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, hop. Elle aussi, elle va devoir travailler, hein, comme tout le monde. Et les loisirs. Hop, pareil. Ensuite, en gestion, on est bien. Alors lui, par contre, il a une arme alors que je n'ai aucune arme. D'accord. C'est pas grave. Là, on est bien. Toujours pas dressé le loup. Qu'est-ce qu'on pourrait chasser? Du rat, bof. Hein. J'ai pas envie de manger du rat. Continue avec le lièvre. Tant qu'on n'a pas un super niveau en chasse, c'est idéal. Ensuite, les recherches. Et ben là, on a des points. Donc, on va en profiter. Mobilier. Alors, on déverrouille le lit évolué comme ça. Ça tombe bien. Ensuite, fabrication de briques. Bon, voilà, on va faire ça. Alors, ça va faire du travail en plus. On va peut-être pas leur mettre du coup tout de suite les ateliers. Ah, je peux encore faire quelque chose. Ça. Hop, voilà. Donc les lits. Voilà, on passe à un lit en bois avec le matelas de foin, bien sûr, toujours. Qui sont quatre. Toujours cette pluie qui est pas agréable à regarder, j'en suis désolée. Voilà. Qu'est-ce qu'il leur manque? Du bois ou du foin? C'est pas trop pour l'instant. La limite, je leur demande de tailler des arbres. Qu'il se passe pas assez de lits? Bah si, il y a assez de lits, sois patient. C'est ceux d'en bas à détruire du coup. Il n'y avait que trois lits. Effectivement, il y en a un qui a dû passer la nuit par terre. Hop, ça fera de la place pour des ateliers. Vite fait. En tout cas, je suis contente d'avoir résolu ce problème de toi parce que c'était vraiment bizarre. Alors, les plantations, ils ont toujours pas fait de d'herbe ni là ni carottes. Il y a que le chou et le lin pour l'instant qui font pousser. Bon. Être patient. Oui, ça c'est le fumoir. Hein. Bon, il ramène pas assez de viande. Je sais plus qui c'est qui va chasser. Osmund.
Alors, Osmond, il faut que tu ramènes plus de viande, absolument. Et où d'ailleurs, Osmond? C'est pas facile, hein, tu as là-bas. Ah là là, pas doué. Déplacer sur Nier, pourquoi? Marie alors. Ouais. Maintenant, faut retrouver la maison, super. Alors, et les chèvres, est-ce qu'elles donnent quelque chose? Ouais, c'est bon. Il y a déjà du lait qui a été récupéré. Oh, bah lui, il dort. Tranquille. Ça va bien, oui. Normalement, il récupère mieux sur les lits comme ça. Tu peux faire un autre lit, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle va chercher? D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Lui, il fait que dormir? Je rêve? Par contre, il faut qu'elle se dépêche de construire les lits parce que ça va être l'heure du dodo et... On est mal là. Ah oui, convalescence, d'accord. Je sais pas ce qui s'est fait. Surtout que c'est pas lui qui va chasser. Deux qui auront un lit. Là, il y a pas mal de foin à récupérer. Voilà. Elle est toute seule à abattre les arbres aussi, alors forcément. Ça doit avancer la recherche. 13. Bien. Toujours pas la carte de la région. Il y a des graines qui traînent de partout en fait. Ce serait bien que j'ai un colon qui s'améliore du coup en jardin, quoi, en botanique, tout ça. Allez. Oh bah, d'accord. Ouais, tout va bien. Il a juste changé de lit. Ah, il y en a un qui dort par terre. Le pauvre, c'est celui qui a chassé qui dort par terre. Oh, c'est n'importe quoi. Franchement. Révolution. Alors, bon, bah pendant qu'il dort, on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. Mettre la cime des arbres, j'aime mieux. Voilà, bon, bah, y a tout ça à abattre. Ça à récolter. Même ça à récolter, on peut dire. Les groseilles, là. Bah, les groseilles, on peut peut-être les. Ah, j'ai pas prévu de groseilles plantation. Planter des groseilliers. Si, il y en a là.
Non, c'est des betteraves. Betteraves, carottes, orge, herbes. Ouais, non, il n'y a pas de groseillers, donc. On va en mettre, pas trop non plus. Comme ça, c'est bien. Voilà. Ok, tout le monde bosse un petit peu. Allez, coupez-moi ça. Bah, si elle est encore toute seule à couper les arbres. Bon, alors toi, ça va mieux? Tu vas bosser aujourd'hui? Ah ouais, il va bosser un petit peu. Il va aider Marie, c'est bien. Voilà, le dernier lit. Si on doit avoir d'autres colons, eh bien ma foi, on fera une autre maison. Alors ils arrivent tout doucement les colons, hein. C'est pas super génial. Là, il y a une grosse réserve de charbon, mais alors. Ici, c'est du sel, là, surtout. Sais pas si je peux abattre ça. Oui, je pense. Peu d'argile quand même. Ah d'accord, il arrête de couper les arbres pour faire ça. Ok. Bon, ce qu'ils veulent quoi. Est-ce qu'il va finir par partir chasser? On ne sait pas. Je crois qu'il a même pas ramené de viande, hein, la dernière fois. C'est quand même honteux. Alors oui, j'ai des tables de métier que je pourrais mettre. Établi de maçon. Four, ouais, pour l'argile. Est-ce que on va le mettre, même si pour l'instant il n'y aura personne dessus, à mon avis. On va mettre ça ici. Et l'établi de maçon, alors l'établi de maçon. Ah non, là il va gêner. Ouais, on va se mettre là. Hop. Allez. Qu'est-ce que j'ai en mobilier? Ouais, les étagères. Si j'en pourrais, c'est vrai que je leur ai pas mis de table encore. J'aimerais d'abord qu'ils récupèrent des ressources avant de leur demander de construire quoi que ce soit. Est-ce que ça apporte quelque chose de manger à table? J'imagine que oui, quand même. Non, même pas.
Le siège, peut-être. Non plus. Ça rapporte rien. Alors, dépenser de l'énergie pour l'instant là-dessus. Non. Tant pis, il mange debout. Voilà, là pour un moment à tout couper. Jeu de pommier ou ça? Ah oui. Oh punaise. Il est en train de se décomposer. Faudrait vraiment qu'ils puissent le planter vite, mais bon, ils n'ont pas l'air décidés. Est-ce que Marie pourrait pas du coup. Parce que là, construction, cuisine, fabrication, extraction. Va plutôt se mettre là, ouais. Hop, voilà. C'est plutôt. Hop. Oui, c'est dans ses attributions. Hein. Ah, ben voilà, c'est bien. On va gagner des points en jardinage. Marie. Atout, séduisante, d'accord. Précieuse. D'accord. Maître d'œuvre, escroc. Ah, c'est sympa. On a accueilli un escroc sur notre colonie. J'aurais peut-être dû faire attention. Bon, on verra. Pour l'instant, elle se comporte bien. Voilà, comme ça, elle aura planté les groseilliers et on sera bien. Ah, elle retourne couper. Ah, j'aurais vraiment aimé qu'elle se mette à faire ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait des masses. Hein. Est-ce qu'il y en a? Là, j'en vois pas. Aïe aïe aïe. On va crever de faim. Ça m'embête pour le pommier. Que s'il le plante pas vite, il sera pourri, ce sera foutu. Donc, sniff. On l'a payé avec de la bière. Oh, ça passe vite une journée, hein. Alors lui, il a vraiment fait que ça. Structure défensive, on est en Pacifique. Théoriquement, on ne devrait pas en avoir trop besoin. La cartographie, peut-être. Bon, allez, on va prendre la cartographie. Du coup, on a une table de cartographe. Hop. On va la mettre. Ici, ici c'est bien. Ça, quand ils l'auront construit, l'onglet Région va devenir bleu. Ce sera bon. S'activer. Et on pourra avoir la carte. Alors, c'est pas une mini-map. Il hein. Faudra toujours cliquer dessus pour avoir la carte. Oui, ils ont tous en haut. J'ai cru qu'il y en avait par terre. Non.
Toujours le printemps, on est le jour 10. Faut qu'on fasse attention quand même. Hey. Bien. Bien, monsieur. Ben voilà. Ça reste du lin, mais ça augmente ses compétences quand même. Toi, tu fais quoi? Je comprends rien là. Récolte, obtention de ressources, construction, jardinage. Ok. Il y a encore des arbres à abattre. Ah oui. Est-ce qu'ils ont rangé un petit peu? Ouais. Il y a encore du bazar de partout quand même. J'aimerais bien gagner les colons encore. On n'en gagne pas beaucoup, je trouve. Et eux, ils font pas de bébés entre eux. Alors... C'est quoi ici? Halte des caravanes. Pas si ça pourrait pas être intéressant, ça. Halte des caravanes, on va la mettre ici. Ah ouais, et ça aussi, ça peut être sympa, l'étal du marchand, d'avoir des marchands régulièrement. Est-ce que ça passe ici? Oui. Impec. Bon, ben on va arrêter pour cet épisode et on se retrouve pour le cinquième épisode un peu plus tard. Des bisous tout le monde!